Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce jeu à LED en kit. On commencera d'abord bien sûr par les éléments qui le composent, le timelapse sur l'assemblage, test de fonctionnement et les explications sur les difficultés rencontrées. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on se voit tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PCB? Pour commencer, on voit la position des LED de chaque côté pour les deux couleurs. Les positions des composants sont bien repérées. L'alimentation ici. Le NE555, le CD4017. Ok, bon, tout a l'air d'être correct. On a 3 résistances en 10 kΩ, 2 résistances en 100 ohms. Donc, condensateur chimique et condensateur céramique qui va ici. Petit truc sympathique sur cette carte PCB, c'est que si on veut, on peut sectionner les deux parties de LED de chaque côté. Voilà, ici on a la possibilité de les souder, de les ponter avec des fils de ce côté-là et ce côté-là. Pareil de l'autre côté, on le voit entre là et ici, et pareil ici et là. On va passer à l'assemblage. Allez, nous voici de test et bien sûr les explications sur les problèmes rencontrés. Juste pour le réglage, on a le potentiomètre à ce niveau-là, donc pour augmenter ou diminuer la vitesse.
quels problèmes j'ai rencontré dessus? Ben, y en a pas mal. Bon, déjà, pour la partie du milieu, la partie centrale, pas de problème. Au niveau des soudures, ça s'est bien passé, comme vous avez pu voir sûrement dans le timelapse. Par contre, le souci, il vient des LED. Les trous sont un petit peu trop petits et en plus, j'ai dû ponter pas mal parce que les pistes sont très très fragiles au niveau de la soudure. J'ai même dû changer un composant, donc le 8050, et j'ai une LED qui ne fonctionnait pas. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Bon, quand même, quelques petits soucis rencontrés, une LED qui a lâché, un composant à changer, mais sinon, dans l'ensemble, il est fonctionnel. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!